Le hasard, le vrai, on se connaît et on n'est jamais divisé. Ce sont de, effectivement, pour ceux qui connaissent Kigali, Kigali, comme Kampala, sont faibles. Ils sont spécialisés simplement dans la ruse, les mensonges, la manipulation, la propagande, la corruption, les cadeaux empoisonnés, l'utilisation des hirondelles, n'est-ce pas, pour neutraliser le plus vaillant qui tombe facilement devant les charmes des femmes. Ainsi de suite. Par rapport à plusieurs audios qui ont circulé, ce sont les mêmes gens, parce que moi je n'ai cessé de le dire, au-delà des traîtres, au-delà de ce que Kigali utilise comme stratégie, je venais de dire, il a su recruter ou infiltrer systématiquement l'appareil sécuritaire congolais. Et c'est à partir de là qu'ils parviennent à monter des scénarios. Et quand un vaillant général ou officier est déployé à l'Est, s'ils n'ont pas pu les bloquer à partir de leur lobby à Kinshasa, ils essaient de le diaboliser pour obtenir, n'est-ce pas, son remplacement et on y met un pion pourri. Je vous donne un cas. Pas plus tard qu'avant, qu'il y a 3-4 mois, le gouverneur actuel du Nord Kivu, Chiriman Peter, est déployé. Il contribue à la remontada des Oisalens de Kemsom. Dans une semaine, on libère Masisi et on pénètre en profondeur dans le Rutshuru. On était au point de déverser ces terroristes au Rwanda et en Ouganda d'où ils sont venus. Vous avez suivi dans les mêmes médias, les réseaux sociaux, les audios, ainsi de suite, la propagande pour nuire à ces généraux. Et n'eût été, n'est-ce pas, le savoir-faire peut-être du président Tshisekedi qui est patriote, Chirimwami serait aussi mis en difficulté. Mais ils sont au moins parvenus à mettre au-dessus de lui un soi-disant cordeau qui joue ouvertement les jeux de l'ennemi. L'ensemble de toutes les matières premières, le vrai patriote, l'espoir de toute une nation. Appelle-moi le King Kisley, tu vas bien ici. Ya samaru ale majano na birikoli.
Kaka force à Bazalendo, la force qui est grâce. Christian Chiwewe, le défenseur Jean-Pierre Bemba Kombo, le gouverneur Chirimwami, la victoire est à nous, Abe Dajo, Big Boss. Colonel Patrick le vrai moment financier sa débat. Pourquoi se verrait Matunda, le Wissi Bauma, leader Kwasa, Marc Maving, Jean-Luc Cheke, Placide de Mounir, Gobi Misika, le fils de son père, mon frère Bantu Pandaleo, Marcelin Esra, Chéri Abatou, Alexia Kilimali, AA, Maladox, mon petit Faxon, Socrate Bin Sadikini. Ajuste défendeur. Merci beaucoup. Pour les chiffons à l'issage, si j'en ai un peu de brigade dans Wazalendo. Moko Samboa, Moutanya Mansa, Moutatampika Mpofu, Mugacha Landwange, Mwassinda Mirepacha Surania Mona Marea, Mugacha Chuka, Mugacha Mama Fi, Jimanga Kanefu, Carto Anasa, l'officier de la nouvelle génération. Appelle-moi le King Titelain, tu vas bien, c'est le gars, c'est la fille, on a zigzag, on a mis live, bientôt. Ma cache, c'est ma vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans notre édition matinale avec un invité d'honneur, Monsieur Jules Moulumba. Jules Moulumba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et donc, nous vous avons reçu pour parler de la situation. Nous savons que les choses ne sont pas faciles maintenant dans la région où vous êtes, dans le Nord Kivu notamment. Et nous voulions avoir... un peu la situation qui prévaut ce matin, parce qu'hier apparemment ça a été très dur. Et sur le plan sécuritaire, donc, nous voulions connaître la situation de ce matin. Ça sent pire, c'est mieux, ou voilà, un peu une situation globale sans entrer dans tous les détails, mais quand même que nos auditeurs soient rassurés au moins. Oui, la situation elle est sous contrôle. Comme je ne cesse de le dire, en tout cas, Kigali, comme Kampala, déploie tous les efforts. Je pense qu'ils sont maintenant à toutes leurs dernières démarches. Et ils subissent toujours des difficultés par le fait que, dans leur appréciation, ils n'avaient pas intégré l'aspect de la résistance que nous réalisons maintenant avec Pompe. Et ça leur donne vraiment du fil à retordre. Et je rassure la population, aux auditeurs, que... nous tenons les coups. D'ailleurs, hier, nous les avons imposé beaucoup de pertes. On a même été en mesure de conquérir plus de 8 collines stratégiques sur l'axe Ngungu, Karuba, Minova, Sake. Donc, ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, c'est juste de la propagande. S'il y a ceux qui peuvent accéder facilement à choses, aux hôpitaux de Rutshuru, Mweso, Bwabambo, ils vont bien palper la réalité des centaines de blessés qui sont là et qui crient dans leur langue maternelle. Les collines que nous avons pu conquérir, c'est notamment Nyenyeri, Maivuno, Rukika, Ferme de Kasuku, Kagano, Ndumba, Munanira et Kiluku. Ce sont des collines stratégiques qui surplombent la route Sake-Minova. Donc,
On se bat dans les hautes montagnes, sur la chaîne de montagnes de Mitumba. Pour ceux qui connaissent la géographie, et nous tenons bon. Voilà. Et nous parvenons à leur imposer aussi des raids, parce que, au moins hier, on est parvenu à neutraliser un officier en pleine cité de Bambo. Là, c'est un territoire de Rutshuru. Et lui et toute son escorte ont été neutralisés. Ce qui a amené le terroriste à imposer à la population des quartiers Lubanga de se déplacer tous. Parce que c'est là on est parvenu à embusquer cet officier. À Rusekera aussi, dans les Rutshuru, on y a tendu une embuscade qui a bien réussi avec 3 morts et 5 blessés. Et on a même capturé un sujet ougandais qu'on va présenter récemment. Donc allez-y comprendre qu'on est bien sur la bonne marche. Mais rien ne décourage, voilà. Donc, quand vous dites un sujet ougandais, en fait, c'est la preuve que l'Ouganda est concrètement mêlé dans cette guerre, en Oui, quelque l'Ouganda part. est bien impliqué avec preuve à l'appui. Il n'est pas le premier. Nous avons d'autres que nous avons pu présenter. Pour ceux qui visitent mon compte Twitter, on a capturé dernièrement un autre sujet, Munyamulenge Tutsi, mais qui était réfugié en Ouganda, va de s'enquérir de la nationalité ougandaise, de s'enrôler au sein des UPDF, envoyé en stage ou je ne sais pas, mission en Sud-Soudan avant de revenir et être envoyé combattre aux côtés des terroristes. Il est là vivant. On a capturé un autre qui fut réfugié, congolais dans les camps des réfugiés en Ouganda, qui fut recruté par le service secret ougandais, amené en formation à Tchanzu. Ça, ce sont des preuves évidentes pour ceux qui veulent les exploiter. Le moment opportun, il faut avoir accès à ça. Et l'armée proprement dite, à part bien sûr ces sujets qui sont recrutés par l'Ouganda, l'armée proprement dite, l'UPDF, n'est pas encore en approche. Non, ils sont là. Ils sont là. L'artillerie lourde maintenant, avec de missiles anti-aériens qui ont été déployés. Il y a une partie du Rwanda et de l'Ouganda. Et pour preuve, consultez simplement, pour ceux qui savent bien analyser la situation sécurité, pour ceux qui politico-sécuritaire, suivez très bien le Twitter de monsieur, du général Kainerugaba Muhoozi, le fils du président Museveni. Vous allez comprendre. Il faut pas lire de manière brute, lisez et interprétez. Vous allez comprendre ce que ça donne. Vous voyez? Et ce monsieur qu'on a capturé, c'est un élément UPDF, n'est-ce pas? Le sujet Mouyamouleng, là, c'est un élément UPDF, n'est-ce pas? Hein? Donc, il n'y a pas à tergiverser. Alors, UPDF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'armée ougandaise. Ce n'est pas des supplétifs, c'est vraiment l'armée ougandaise. Je confirme pour les tweets de M. Kainerugaba, le général fils de Museveni d'ailleurs. Ces derniers temps, il a sorti encore ses postes hein, qui menacent les Congolais, qui vient défendre les Milotiques, toute sa rhétorique habituelle. Donc, ce qui montre aussi la nature de ce conflit. Alors, en ce qui concerne, puisque vous y avez touché un mot, en ce qui concerne les médias, nous sommes inquiets, nous, à la Voix des Grands Lacs, parce que nous suivons de près quand même la situation dans le Nord Kivu, nous sommes inquiets des conséquences possibles, des risques, des informations qui viennent du Rwanda, notamment de la fameuse armée numérique hein, de Kigali, qui est animé par des journalistes connus ou un peu moins connus, notamment une dame qui s'appelle Scovia et d'autres, eh bien, ils annoncent toujours des fausses informations pour essayer notamment de diviser Wazalendo et l'armée congolaise, ce qu'ils n'ont peut-être pas encore réussi aujourd'hui, mais il se fait que certains Congolais reprennent cette information, même des chaînes YouTube assez connues. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des trahisons au sein de Wazalendo? Bon, vous savez, moi j'ai toujours été trop clair dans mes speeches. Je ne parle pas sans évidence. Le Rwanda a déployé ses mécanismes, ses stratégies, ses lobbies, ses hommes
pour essayer d'infiltrer les Oisaliens depuis l'année 2022. J'ai pu arrêter M. Hubimana Élisée, alias Zambia, ainsi que Rwandais, ancien des Rous de Runana, la dissidence des FDLR, mais aussi qui est opposé à Kagame, recruté en Ouganda, où il s'était replié en 2017, avant d'être renvoyé sur le sol congolais dans la force spéciale rwandaise pour des opérations spéciales qui avaient pu mettre fin à la vie de Mudacumura et Jean-Michel Africa, mais aussi qui avaient contribué à l'enlèvement de monsieur l'opposant rwandais proche de Kayumba, qui est encore le célèbre musicien qui avait la nationalité française, Ben Rutabana. Non, Tabana. Le monsieur est encore vivant, il est en prison à Kinshasa. Pour ceux qui peuvent le visiter, ils peuvent écouter tout ce qu'il y a comme témoignage. Il était envoyé dans une mission subversive, encore une fois, en 2022, pour venir payer des faux Wazalendo. D'ailleurs, il était en connivence avec un certain Ephrem Kabasha, Elie Kebichori et d'autres. On a pu y ramasser autant d'entre eux, mais il y a le fameux Ephrem Kabasha qui est maintenant chez Corneille Nangaa, aux côtés des terroristes, qui se faisait à un moment donné aussi passer pour Muzalendo. Ce sont de tels cas qu'il faut bien connaître. Sinon, les Wazalendo, les vrais, on se connaît et on n'est jamais divisé. Ce sont effectivement, pour ceux qui connaissent Kigali comme Kampala sont faibles. Ils sont spécialisés simplement dans la ruse, les mensonges, la manipulation, la propagande, la corruption, les cadeaux empoisonnés, l'utilisation des hirondelles, n'est-ce pas, pour neutraliser le plus vaillant qui tombe facilement devant les charmes des femmes, ainsi de suite. Par rapport à plusieurs audios qui ont circulé, ce sont les mêmes gens, parce que moi je n'ai cessé de le dire, au-delà des traîtres, au-delà de ce que Kigali utilise comme stratégie, je venais de dire, il a su recruter ou infiltrer systématiquement l'appareil sécuritaire congolais. Et c'est à partir de là qu'ils parviennent à monter des scénarios. Et quand un vaillant général ou officier est déployé à l'Est, s'ils n'ont pas pu les bloquer à partir de leur lobby à Kinshasa, ils essaient de le diaboliser pour obtenir, n'est-ce pas, son remplacement et on y met un pion pourri. Je vous donne un cas. Pas plus tard qu'avant, qu'il y a 3-4 mois, le gouverneur actuel du Nord Kivu, Chirimwami Peter, est déployé. Il contribue à la remontada des Wazalendo que nous sommes. Dans une semaine, on libère Masisi et on pénètre en profondeur dans les Rutshuru. On était au point de déverser ces terroristes au Rwanda et en Ouganda d'où ils sont venus. Vous avez suivi dans les mêmes médias, les réseaux sociaux, les audios, ainsi de suite, la propagande pour nuire à ces généraux. Et n'eût été, n'est-ce pas, le savoir-faire peut-être du président Tshisekedi qui est patriote, Chirimwami serait aussi mis en difficulté. Mais ils sont au moins parvenus à mettre au-dessus de lui un soi-disant cordeau qui joue ouvertement les jeux de l'ennemi. Il est dénoncé par les vrais patriotes, mais jamais on ne les remplace parce que les lobbies jouent ouvertement à la carte. Mais quand Mayanga se déploie là-bas, Mayanga c'est un grand guerrier. Pour ceux qui le connaissent, il fut commandant 9e brigade. Il allait cueillir à un moment donné M. Laurent Kunda par ses propres mains au niveau des antennes de Tongo en 2007, avant d'être interpellé à Kinshasa pour des motifs fallacieux qu'on ne connaît pas, au motif de le promouvoir général parce qu'il était colonel. Et dès lors, Kabila l'avait cloué à Kinshasa sans raison. La présence de Mayanga à Goma pendant cette manœuvre, un ancien Muzalendo comme nous, qui est le second général Padiri, un ancien Muzalendo, Padiri Boulenda, un ancien Muzalendo comme nous, général Gaudens, qui est un ancien Muzalendo comme nous et qui maîtrise très bien les rayons d'action de ces terroristes depuis la province orientale où Gaudens est origine, d'où Gaudens est originaire, en passant par le nord Kivu, d'où Mayanga est originaire, pour chuter au sud Kivu, d'où le général Padiri est originaire. Allez-y comprendre la chair de poule que ça fait de l'autre côté. Il faut alors injecter des moyens, n'est-ce pas, pour cette fausse propagande, afin qu'on puisse les nuire. Mais moi, en tant que communicateur de Ouazalendo, j'ai dit qu'il n'y a pas de division parmi nous, il n'y a pas de trahison de la part de ces braves officiers. Plutôt, les traîtres sont bien connus, nous les avons dénoncés ouvertement, et je ne cesse de le dire.
Ils sont là à Kinshasa, dans l'état-major général. Ils sont là à Goma. Ils sont à Kisangani. Ils sont bien connus. Peut-être que je m'abstiens de les citer nommément ici, mais s'ils me suivent, ils savent ce qu'ils font. Et ce ne sont pas ceux-là qui sont diabolisés et qui sont les traîtres. C'est simplement que nous, on agit de la manière la plus professionnelle. On ne sait pas faire des audios, on ne sait pas. On communique quand c'est nécessaire. Mais le moment venu, comme Kigali déploie sa propagande, nous n'hésiterons pas aussi à affronter ces traîtres que nous avons dans l'appareil sécuritaire de la manière la plus ouverte, parce que nous, on n'a peur de personne. Nous avons donné notre sang pour le pays, pour la patrie, et on ne permettra pas que personne, alors personne, vienne jouer avec le sang des martyrs que nous sommes. Voilà. Vous avez raison de donner toutes ces précisions parce qu'effectivement, la semaine dernière, eh bien, il y a eu des rumeurs vraiment. Parfois, on se disait, mais quel est l'objectif de tel journaliste, de tel youtubeur connu qui fait de très bonnes émissions, qui dit qu'il soutient ou qu'elle soutient ouvertement les Ouazalendo, mais qui diffuse des audios venus d'on ne sait où. Et effectivement, ça a fait très mal. Vous faites bien vraiment de nous rassurer, nous qui suivons votre combat et qui soutenons votre combat. Alors, Le problème qu'il y a aussi chez nous au Congo, c'est que les gens se basent beaucoup plus sur des rumeurs que sur la vraie information. ouais. Ils ont la possibilité, si c'est un youtubeur ou je ne sais pas qui est vraiment professionnel, ils ont tous les moyens possibles pour nous atteindre. Nous sommes les toutes premières victimes d'une certaine trahison qui peut advenir au sein des FARDC ou d'une certaine trahison au sein des Ouazalendo. Nous sommes la personne la mieux indiquée. Nous savons dire qui fait quoi, quand, comment et quand et où. Et donc, si quelqu'un n'a pas cette audace et qui se fie à des réseaux sociaux, des audios sans tête ni queue, allez-y le prendre pour un charlatan, je m'excuse. Hein. Parce que le professionnalisme exige qu'on contre-vérifie l'information auprès des sources les plus crédibles avant de les faire consommer au public, de peur qu'on ne désoriente l'opinion. Ça. Effectivement, on a l'impression que la première préoccupation de ces gens-là, c'est d'avoir beaucoup de vues, ce qu'ils appellent les views en anglais. Parce que dans la même émission où la personne a condamné le général Mayanga, l'a traité de traître, de ceci, de cela, dans la même émission, la personne finit en disant, tiens, on va demander la confirmation à Jules Moulumba. Ouais, effectivement, cette personne. Vous pouvez Commencer carrément par lui. Oui. d'emblée me dire quelle personne, comme ça, moi, je la contacte immédiatement parce que Tout à je n'ai fait, pas tout eu à fait. trop de temps dessus. Je vais mettre à votre Même disposition l'extrait de son émission. une box, c'est parce qu'on ne peut pas céder, on ne peut pas être à la fois patriote dans les réseaux, dans les médias et puis servir aussi de marchepied à l'ennemi. Exactement. Non, on On n'a doit pas être. d'informations vérifiées dans cette situation de guerre, t'as mis la terre et n'est communiqué que des informations tirer à la source, sinon on va se griller soi-même. Et les vieux là qu'on est en train de chercher, imaginez-vous si tu donnes une information non conforme à la réalité, alors que tu étais apprécié, qu'en fin de compte, tu te rends compte que c'est faux. Et que toi-même, tu annonces anticipativement qu'on va encore vérifier. Mais tu as vérifié alors que tu as déjà annoncé. Le mal est fait. C'est le manque de professionnalisme, ça. Tout à Et fait, nous, tout on condamne. à fait. Écoutez, on va faire le nécessaire pour éventuellement qu'elle vous contacte, parce qu'effectivement, il y a des choses. D'ailleurs, j'en profite pour aller dire merci. Dire merci à la CESAC, hein, parce que très rapidement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a réagi et a sorti un communiqué. Je pense que c'était. Il y a 2 jours, hein, en 10 ans, il y a des journalistes qui se mêlent de stratégies militaires, qui font des annonces erronées ou carrément fausses, hein, et ils ont été assez. J'espère que ça va être suivi par les youtubeurs notamment, les journalistes classiques, pas de problème. Mais au niveau des youtubeurs, il faut peut-être plus d'action musclée pour vraiment orienter les gens à ne pas notamment tomber dans l'intox, parce que ça peut créer des tensions entre les personnes qui sont au front, qui voilà, c'est ça le danger en fait. Et ça ne profite qu'à l'agresseur qui souhaiterait, parce que ce que la personne a dit sur cette chaîne, c'est exactement ce que nous entendons tous les jours,
sur les chaînes rwandaises qui sont impliquées dans cette manipulation, dans cette campagne contre les Wazalendo et contre les FARDC, contre la RDC en général. Alors, il y a une autre question. J'espère que ça ne va pas tomber sous le coup de cette erreur que commettent les youtubeurs. Hein. Le président a annoncé qu'il n'y aurait pas de guerre. C'est tout à fait normal. Un chef d'État ne lance pas une guerre comme ça à la légère. Mais qu'il n'y aura pas d'offensive contre eux. Oui, mais eux, les agresseurs continuent de mener des offensives. Ça ne veut pas dire que le couvre-feu signifie absence d'action, je suppose. Oui, bon, la guerre, il y en a, la guerre, il y en aura. Bon, le chef de l'État a sa manière de s'exprimer, je ne saurais pas rentrer dans ses compétences, mais la guerre, il y en a. Point même besoin d'ailleurs de l'exprimer devant les médias. Je préfère que le chef dise qu'il n'y a pas guerre, mais qu'on fasse la guerre. Tout à C'est la fait. bonne manière de faire. Là, vous avez donné vraiment la bonne réponse, l'excellente réponse. Le chef d'État n'est pas obligé de tout dire devant la presse. Il doit dire ce qui est nécessaire et puis la réalité du terrain, bien sûr, c'est le plus important. Et à part cela, il y a une autre question. Quand on parle ces derniers temps au Rwanda, ils disent que les Wazalendo, les FARDC, ça donne à des discours de haine contre les Tutsis. Est-ce que les Wazalendo se battent contre les Tutsis? Ou bien c'est ceux qui vous ont agressé qui disent se battre pour les Tutsis et pour protéger les Tutsis de RDC? Le président de la République a bien expliqué que il n'y a pas de discrimination au Congo, mais malgré tout, tous les jours, c'est l'argument que sort le Rwanda, y compris au niveau international. S'il y a la personne qu'il faut attaquer froidement pour avoir causé le tort aux Tutsis, c'est bien la personne de Kagame et son système. Tenez, il abat l'avion de Habyarimana en 1994 qui transportait deux chefs d'État à la fois et d'autres grandes personnalités. Il provoque l'hécatombe au Rwanda qui amène les Hutus et les Tutsis à s'entretuer. Ce que lui, effectivement, va marchander pour appeler génocide des Tutsis, mais pour nous, on dit c'est génocide des Rwandais. Parce qu'on n'a pas tué l'autre croisant les bras. Ça n'existe nulle part au monde. Même dans les petites guerres du village, quand tu tapes, même si tu es grand, tu tapes à ton petit frère. Tu tapes sur ton petit frère ou tu tapes à quelqu'un qui est plus faible que toi. Dès lors qu'il trouve l'occasion de se retirer de tes griffes, il prend une pierre et te jette. Ça, c'est connu, c'est naturel. C'est même pas quelque chose. C'est inné, quoi. Et puis, deuxième chose, il amène une guerre au Congo, appelée guerre de Wanyamulenge, qu'ils appelleraient autrement dit la guerre de l'AFDL. Pendant ce temps, il marche sur les cadavres des innocents, congolais toutes catégories confondues, sans oublier les Rwandais qui étaient réfugiés ici chez nous. Cette guerre a perduré, il a répété avec les RCD, les CNDP, M23, M23-2. Je pense que c'est lui la personne qui attiserait la haine contre ces Tutsis. Parce que quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, ses oncles, toute une famille déracinée, au motif d'une guerre bien spécifique et prononcée par l'auteur, on ne saurait pas l'amener à aimer l'auteur. Mais quand cela ne tient, les Congolais, on est résilients. Les Congolais, on est tolérants. Les Congolais, on est pacifiques, on n'a pas l'esprit hégémonique. Les Tutsis sont les personnes qui occupent les postes les plus stratégiques dans ce pays jusqu'à nos jours, pas seulement hier. Ils ont eu des vice-présidents de la République, des sénateurs, des mandataires des grandes entreprises. Ils ont des grands généraux partout. La province la plus emblématique du Katanga, Grand Katanga, ajouté même le Kasaï, est contrôlée par un Tutsi. Les chargés des regroupements des écoles, toutes les grandes formations, même les petites formations qui se font au Congo, sont supervisées par Obed Rubasira, c'est un Tutsi. Le numéro 1 à un moment donné de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, était Tutsi, général. Il est encore là à Kinshasa, et c'est la coule douce, il n'est inquiété par personne, n'est-ce pas? Partout là, ils ont des magistrats militaires, le général Bivegete, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut?
Ils ont des grandes concessions, ils ont des grands business dans ce pays. N'est-ce pas? Même les Turcs qui sont en train de venir malmener ou Masisi. Ils ont des grandes fermes à Bouza, des grandes fermes à Burungo, des grandes fermes à Mokoto, des grandes partout là. Mais il faut quand même être sérieux. Haine, c'est-à-dire quoi? Haine, c'est-à-dire quoi? Peut-être nous, on ne comprend pas la haine que ces gens pensent dire. Peut-être que nous, quand c'est parce qu'on refuse de se soumettre, un peu comme les Hutus rwandais ont finalement capitulé, comme on refuse de se soumettre pour être esclave, c'est comme ça qu'on taxe des personnes qui sont haineuses, mais on n'a jamais attaqué quiconque. Et même certains Tutsis conscients comme Muhizi Muheto, ils dénoncent carrément. J'ai même vu dernièrement, surprenant, que le président du CNDP, Kamanzi Runigi, il a-t-il dit, venant du fond de son cœur, le lendemain de la conférence du chef de l'État devant les journalistes, Kamanzi Runigi, un président bien connu du CNDP qui a participé à tous ces mouvements d'agression, il a dénoncé Kagame lui-même devant caméra et entouré par d'autres Tutsis. Quoi donc de plus normal de comprendre que c'est juste un alibi ou un prétexte non fondé? Rentrons au Rwanda, monsieur. J'oublie le nom, hein, je m'excuse. Au Rwanda, qui a tué Patrick Kargea? Qui a tué Kizito Mihigo, que j'aime bien? Et si j'étais catholique, je plaiderais pour qu'il soit béatifié, je contribuerais même à cette démarche. Qui a tué Rwigara? Qui a essayé d'assassiner Kayumba Nyamwasa? Qui a tué jusqu'à maintenant? Qui tue les Tutsis au Rwanda? Si pas Kagame. Donc pour Kagame, quand tu acceptes d'être esclave, Hutu, Tutsi, tu es un bon citoyen. Quand tu refuses, tu es un terroriste Tutsi ou tu es un génocidaire Hutu, c'est bon. Mais un certain Warakabije, qui fut président des FDLR, de Alire à l'époque, qui avait même conquis une grande partie du Rwanda, qui était dans le système Habyarimana officier, parce qu'il s'est soumis maintenant, il n'est pas génocidaire, toi, il a été immaculé, n'est-ce pas? Il y a d'autant des FDLR qui se rendent via le DDRR de la MONUSCO. Ils sont convertis, n'est-ce pas? Et on les réinjecte dans les RDF pour venir nous massacrer ici, n'est-ce pas? Il y a un certain Ndagijimana alias Cobra qui fuit avec Warakabije. Il est ici à Sac, on est en train de se battre avec lui. Il a tout un bataillon des anciens FDLR, n'est-ce pas? Et ces gens-là vont commettre des crimes sur le sol congolais, on va les endosser à la responsabilité des Congolais. Monsieur Potiphar, alias Madrid, il était jusqu'en 2022 sur le sol congolais. Il s'est rendu. Maintenant, on l'a utilisé. Il est en train de faire des contre-espionnages dans le site Kivu, dans l'objectif de lancer l'offensive contre le Bukavu et Kavumu, n'est-ce pas? Monsieur Bora, c'était aussi un colonel dans les services de renseignement des FDLR. Il fut capturé à chose à Rubaya par le général Innocent Gahizi, un Tutsi bien positionné au sein des FRDC, par l'entremise du colonel Roussimbi mais aussi notre Tutsi commandant du régiment. Il a été extradé au Rwanda sans que même la hiérarchie militaire fasse des messages. N'est-ce pas? Il est maintenant utilisé dans le centre de coordination des opérations à Gisenyi. Monsieur Angelo, qui était président des réfugiés rwandais au Congo, qui fut kidnappé à Goma il y a 2 ans, n'est-ce pas? Il est Habumuremyi Angelo. Il est où? Il a été amené au Rwanda clandestinement et puis il a été converti. Il a utilisé contre dans cette agression. Mais qu'est-ce que c'est génocidaire? Qu'est-ce que c'est FDLR? Qu'est-ce que c'est? Quand on est dans un cas, on est FDLR. Quand on change d'emblée, on devient écolier docile. On te donne tout ce dont tu as besoin pour massacrer tes semblables. Donc, cette politique de mensonge, de la ruse, de la manipulation, de la propagande de Kigali doit cesser. Et là, j'en appelle à la vigilance des Rwandais. Ils ne doivent plus accepter de servir un tyran, un criminel, un diable du 21e siècle, un Goliath, un Philistin, un pharaon. Nous devons tous nous lever comme peuple de la région des Grands Lacs, comme peuple de l'Afrique et du monde pour dire non, non et non à toute personne qui soutiendrait le diable, qu'il soit une puissance ou pas. Il y a un Dieu qui est le plus puissant et qui ne veut plus voir le sang des Congolais, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais couler encore une fois parce qu'il y a un démon qui voudrait que ça se passe comme ça.
Merci beaucoup, Jules Moulumba. Vous venez là de manière la plus, avec maîtrise, hein, j'allais dire, tordre le cou. Vous avez tordu le cou à tous les mensonges que Kagame passe le temps à faire circuler, notamment en utilisant le lobby, plutôt l'alibi de la coalition. Ils appellent ça coalition Interahamwe. Wazalendo, FDLR, Nyatura et autres. Donc, tout ça, c'est des arguments qu'ils utilisent pour essayer de noircir le plus possible les résistants congolais et tous ceux qui Ça n'ont pas de ne ces passera personnes. pas. Donc, ça ne passera pas. Là, je le répète. Hier, quand Félix Tshisekedi était en train de s'entêter avec Kagame, il était bon. Quand il dit Kagame, vous m'agressez, il devient président des FDLR. Moi, ici, je suis un jeune Congolais. Un jeune Congolais avec une souche congolaise, né, grandi de parents congolais. Mais on me taxe d'être génocidaire, je ne sais pas quoi. Moi, quand même, le génocide se commettait. J'étais trop petit. Les réfugiés rwandais arrivaient au Congo quand moi j'étais à l'école primaire. N'est-ce pas? Mais ils font de moi un Rwandais originaire de Rwenger. Ok, je n'en disconviendrai même pas. S'ils faisaient de moi les Rwandais, ils auront la chance d'être libérés parce que moi, je ne serai pas ce Rwandais qui acceptera de vivre sous le joug de Kagame. Je viendrai être Rwandais pour sauver ce peuple. N'est-ce pas? S'ils veulent faire de moi des Rwandais, comme Che Guevara l'a fait pour le peuple cubain, comme il a essayé de le faire pour le peuple congolais avec les années 63. C'est comme ça peut-être que moi, s'il rêve de moi, qu'il prie Dieu qu'il fasse de moi en esprit un Rwandais, je viendrai pour le libérer, non pas pour être sous le joug d'un dictateur tyran, criminel, sanguinaire. Dieu vous écoute et je pense que tous les Rwandais souhaiteraient avoir un résistant rwandais de votre temple et je crois que ça nous aiderait beaucoup. En tout cas, une fois encore, nous disons que les prétentions de Kagame de lutter contre la RDC, parce que la RDC cache des génocidaires en son sein, au moins vous avez démontré par tous ces exemples que beaucoup nous ne connaissions même pas. Mais il y a effectivement matière à démontrer que les FDLR, c'est un prétexte, c'est un alibi qu'utilise Paul Kagame pour cacher ses véritables intentions lorsqu'il attaque la RDC depuis 30 ans presque. Les FDLR n'existaient même pas d'ailleurs lorsqu'il a commencé à faire la guerre à la RDC. Évidemment. Hein? Et Ben, si on peut revenir à un autre aspect, s'il voudrait vider une bonne fois pour toutes, comme le président Félix l'a dit, les Nations Unies avaient désigné l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Moi, j'ai de bonnes informations. Il avait pour première mission de mettre en place une équipe qui serait constituée par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Congolais, les Tanzaniens, n'est-ce pas, pour consulter groupe par groupe et avoir l'air des desiderata et penser comment ils peuvent répondre à ces desiderata sans nécessairement user de la force. Ça, c'est depuis 2 ans. Cette force, cette task force, cette équipe n'a jamais été conçue parce que Kigali essaie de torpiller tout. Le Burundi, à l'annonce de l'arrivée de cet envoyé, le Burundi s'était dit prédisposé à le faire, même Museveni. N'est-ce pas? Ce sont ces arrangements que Kagame a provoqués dans la région qui n'ont pas pu permettre à ce que ça aboutisse. Un autre cas, s'ils voudraient que les FDLR, s'ils sentent vraiment que c'est une menace, nous pouvons partir de 2 cas. Là où en 1993, il y avait dialogue entre Rwanda et Arusha, signature des accords, et puis abattage de l'avion de Habyarimana, ces accords n'ont jamais été appliqués. Sont en souffrance depuis lors. Ce sont des accords qui départageaient les deux peuples, les deux plus grands peuples. Malheureusement, ça excluait notre peuple. Rwandais, Hutu, Tutsi, en proportion de 60-40% dans la gestion de la chose publique, alors que les Hutu sont à plus de 85% au Rwanda, les Tutsi à moins de 15%, les Pygmées à 1%. N'est-ce pas? Ces accords sont toujours en souffrance. En parallèle, il y a le Burundi qui était presque confronté à la même situation vers les années 2000, et il y a dialogue entre le pouvoir de Buyoya et le CNDD-FDD sous le patronat, n'est-ce pas, de Mandela. La conclusion, c'est que le Burundi a accepté. Ce sont presque les mêmes accords et ils sont appliqués à la lettre au Burundi, où vous avez un président et un vice-président, un président Hutu et un vice-président Tutsi. Vous avez dans les cabinets ministériels, vous avez dans l'armée, dans la police, tout ça, c'est bien respecté. Et maintenant, les Tutsi respirent, les Hutu respirent la paix au Burundi, malgré le dérangement de Kagame avec les raids de Tabara et les tentatives du coup d'État de 2015. Donc, nous avons
avons en face de nous des cas qui peuvent constituer des jurisprudences si on veut la paix, effectivement, pour cet outil qu'il prétend défendre, n'est-ce pas? Et cette communauté internationale ne doit pas nous voiler les yeux parce que nous sommes clairvoyants. On ne peut pas soutenir des régimes au motif de vouloir chasser des rébellions. À cette époque, Museveni, avec son NRM, il quitte Mozambique, où il était déjà entraîné dans le Frolimo. Frolimo qui était soutenu par Julius Nyerere, n'est-ce pas? Idi Amin agresse le Kenya, la Tanzanie, et Julius Nyerere riposte, et il fallait couvrir sa riposte par un sujet ougandais de Museveni. Il sera soutenu jusqu'à conquérir le pouvoir au motif de chasser un dictateur. Mais Idi Amin n'a pas fait 10 ans au pouvoir. Il a été chassé, et transition, Museveni est coopté ministre. Il ne sait pas être satisfait parce qu'il avait échoué aux élections de 81 et il va se relancer dans la rébellion. Soutenu par l'Occident, il va conquérir le pouvoir en 86 au motif de corriger toutes les erreurs commises par ses prédécesseurs. Quelles sont ces erreurs qu'il a corrigées à part se maintenir au pouvoir fois 4, donc pendant une durée 4 fois plus que celle qu'Idi Amin avait faite, en martyrisant les peuples de la région des Grands Lacs, notamment les Congolais, tués à 1 million par son initiative. Au Rwanda, on prétend changer le régime de Habyarimana, n'est-ce pas? Qui venait de faire une vingtaine d'années au pouvoir. Mais Kagame est déjà à 30 ans, avec les crimes jamais commis par les régimes précédents au Rwanda, où il tue tout citoyen confondu, toute personne qui s'oppose à son régime tyrannique, n'est-ce pas? Au Congo, on est déjà au 40e cycle électoral. Au Burundi, ils sont au 40e cycle électoral. En Tanzanie, au Kenya. Et pourquoi nous maintenir des fantômes dans la région et prétendre être les chantres de la démocratie à l'international? Nous pensons que l'Occident doit nous dire clairement c'est quoi la démocratie, n'est-ce pas? Défenseur des droits humains, d'accord, on est d'accord. Mais on te dit 10 millions, 12 millions de Congolais. Autant de Rwandais, Tiwa, Tingi Tingi, Akatale, Kibumba, Amugunga, que sais-je encore à Panzo, au site Kivu. Personne n'en parle. On pourchasse les réfugiés dans leurs derniers retranchements, même dans les forêts. Personne n'en parle. Des réfugiés non pris en charge par les ASR depuis plus de 30 ans. Personne n'en parle. Et puis on donne des éloges à un criminel, n'est-ce pas? Et on dit à la fois qu'ils sont défenseurs des droits humains. Ils doivent nous dire clairement c'est quoi les droits humains, c'est quoi la démocratie. En Ukraine, la Russie contre-attaque devant une situation pareille que la situation de la RDC. On taxe la Russie d'agresseur. On met en place un système de contribution des fonds, des grands fonds, mobilisation des grands fonds, livraison des armes, n'est-ce pas, pour prétendre combattre contre une agression russe en Ukraine. Mais la même situation est vécue au Congo. C'est plutôt l'agresseur qui est soutenu, c'est plutôt l'agresseur qui trouve la livraison des armes par la Pologne, membre de l'OTAN, c'est plutôt l'agresseur qui trouve la signature des accords avec l'IE dans la valorisation de la chaîne, si je ne sais pas, chaîne de valeur des minéraux stratégiques, qui ne dispose même pas les minéraux de sang des peuples congolais, et puis on va nous dire démocratie, liberté, droit des droits, liberté d'expression, des droits, c'est quoi ça? On nous dit quoi? Le peuple congolais, comme peuple rwandais, meurtri par ce tyran, a le même sang que le peuple américain, que le peuple israélien, que le peuple ukrainien, que le peuple de Hamas et palestinien, et que sais-je encore, parce que nous sommes tous créé à l'image de Dieu, avec les sangs rouges, et personne qui soit américain, français, ou européen, ou asiatique, ou russe, ne dispose dans son corps plus de 5 litres ou 6 litres du sang, qui est rouge, qui coule chaque fois qu'on se pique, ou qu'on se casse, ou qu'on met quand même. Donc ça doit cesser. Ça doit cesser. Nous devons vivre une période pacifiée, et ceci exige que ces tyrans dictateurs finissent définitivement, et que la politique internationale change. Parce qu'on en a marre avec l'hypocrisie dans la politique, tant régionale, nationale, internationale même. Voilà. Merci beaucoup. Et au moment où justement l'Union européenne signe un contrat avec le Rwanda, c'est en ce moment-là qu'on a l'information, vous devez le savoir mieux que nous, que le M23 RDF continue à s'adonner au pillage et qu'ils ont maintenant occupé plusieurs mines dans le Nord Kivu et qu'ils transportent régulièrement tous les jours des Oui, produits vers le Rwanda. évidemment. Oui, la cible, c'est la mine stratégique de Rubaya qui regorge le coltan, les manganèses, les tourmalines, l'or, que sais-je encore, les cassiterites, et qui était occupée de manière
officiel par les mêmes gens, par l'entremise de M. Mangachuchu. Les Ouazaliens, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour démanteler, avec preuve à l'appui, les familles Mangachuchu est condamné à Kinshasa. Mais Kigali, effectivement, s'est joué par ses pions, patati patata. Voilà qu'ils sont mis à nu. L'autre mine bien visée, c'est la mine de Kisomi-Kivu, qu'on appelle aussi qui égorge de wolframite, appelé autrement dit le shit. C'est un minerai stratégique et cette société appartenait dans sa majorité à la République allemande qui dispose de la majorité dans les actions sociales de cette société qui se retrouve dans le groupement de Mutanda, si je ne m'abuse pas, en chefferie de Bwito Tetwa de Rutshuru, tout près de Kishishu, il y a eu ce massacre à grande échelle. Et ils ont l'ambition d'ouvrir les fronts dans l'Ituri et cibler les mines aurifères. Ils ont l'objectif de progresser jusque dans les Maniema, dans les Walikale. Donc, on ne nous cache pas la vérité parce que nous la connaissons. Et c'est contre ces mensonges que nous nous combattons. Et comme nous nous prenons la vérité, nous finirons toujours par gagner. C'est ça. Merci beaucoup et je pense que votre indignation, voire votre colère saine de toute façon, eh bien, elle est tout à fait compréhensible et nous la partageons. Nous soutenons bien sûr le combat de Ouazalendo à notre manière, nous soutenons le combat du peuple congolais, même si nous devrions être de l'autre côté, mais on ne soutient pas un régime qui tue ses populations, qui agresse les peuples voisins, qui commet des massacres. Contre ces peuples-là, on le dit souvent, eh bien, on est à plus de 12 millions de victimes au Congo. Donc, c'est tout à fait normal que vous soyez indigné et que je pense que la plupart des Congolais le sont autant que vous. Et c'est pourquoi nous disons à ceux qui propagent des informations erronées, des fausses rumeurs, pour essayer de créer des divisions entre les partisans ou plutôt les résistants congolais, eh bien, c'est un crime de propager ce genre de rumeurs qui tendent à diviser, à provoquer des divisions, à fragmenter la société congolaise. Si vous pouvez donner votre mot de la fin, un message à qui vous voulez, au gouvernement, aux Ouazalendo ou au peuple, à vous la parole, Jules Moulumba. Oui, je m'adresserai d'abord au gouvernement congolais, effectivement, tout en félicitant les efforts du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour qu'on en découdre avec l'agression. Mais nous avons besoin des actions les plus concrètes parce qu'ils savent par où ça suinte et il faut boucher les trous pour qu'on se rassure qu'on réussit. Engager des actions beaucoup plus drastiques pour qu'on y aille une bonne fois pour toutes parce que la souffrance que nous endurons, nous, avec notre peuple, a déjà dépassé les limites. À la communauté internationale de jouer franc jeu avec le Congo, qui reste un pays hospitalier, qui viennent signer les accords gagnant-gagnant, il est un peu honorifique de passer par la grande porte que de passer par la fenêtre comme un voleur. La fenêtre du Congo se trouve au Rwanda, mais la grande porte se trouve à Goma, se trouve à Bukavu, se trouve à Kinshasa, se trouve à Kisangani et à Lubumbashi. Qu'il soit la bienvenue pour venir signer, qu'il soit le bienvenu pour venir signer les accords gagnant-gagnant avec nous. Parce que nous avons ce dont ils ont besoin et nous pouvons avoir, nous avons besoin de ce qu'ils disposent. Donc, on peut facilement conclure un marché sans pour autant verser le sang. Parce que tu sois athée, que tu sois musulman, chrétien ou je ne sais pas, juif ou quoi, le sang, c'est le sang. Quand tu le verses, tu finis par payer. À défaut, ta génération future finit par payer. Au peuple de la région comme le Rwanda, l'Ouganda, le Congo, c'est le don béni de Dieu. Et le Congo n'a jamais été vraiment contre vous, le peuple rwandais, ougandais, burundais. Mais reconnaissez que vous êtes petit par rapport au Congo, que vous avez besoin plus du Congo que le Congo n'a besoin de vous. Et humiliez-vous pour que vous puissiez bénéficier tant soit peu par la coopération de vos voisinages, ce dont le Congo peut disposer. C'est possible. Parce que je reconnais dans la Bible, quand le peuple d'Israël a écrasé tous ses ennemis, il y a les Moabites qui sont allés s'incliner pour signer l'alliance de paix avec eux et ils n'ont jamais eu de difficultés pendant tout le temps que les Israéliens étaient en train de marcher sur leurs ennemis. Les Congos avons besoin de voisins pareils, qui reconnaissent qu'on est grand, qui reconnaissent que nous avons tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour survivre et qu'ils viennent alors solliciter
comme ces mêmes Occidentaux, comment on peut ensemble, n'est-ce pas, jouir de la richesse dont le Congo regorge. Tu viens pour être un entrepreneur au Congo, si n'était pas cette situation que le Rwanda nous impose, Ouganda, si même si tu étais Rwandais, tu viens investir dans les mines, tu passes par la voie la plus officielle, je ne pense pas que les Congolais vous bloqueraient. Tu développes l'agriculture, tu vois par exemple à Goma, Gisenyi, Goma, il y a le commerce transfrontalier qui est très florissant. C'est des genres d'activités, c'est des genres de ce comportement qu'on voudrait avoir au Congo. Et non pas nous imposer un certain chaos, n'est-ce pas? Parce que tôt ou tard, ça finira par craquer et on ne peut pas soumettre qu'à ça, c'est quand Trubi, c'est 20 millions d'habitants par un peuple trop minoritaire de moins de 10 millions ou 12 millions comme ça, avec trois tribus, c'est impossible. Si au Rwanda, les Hutus ont capitulé au Congo, si les Hunde capitulent, les Hutus vont résister, si les Hutus capitulent, les Nandes vont résister, si les Nandes capitulent, les Bakongo vont résister, et alors personne ne saura nous vaincre. C'est un peu ça, et quant au Azalendo, nous restons déterminés. Comme toujours, notre combat, c'est un combat juste. Nous ne visons pas des postes, nous ne visons pas l'argent, nous ne visons pas quoi que ce soit. C'est pourquoi Mousaline voit son confrère tomber sur les champs d'honneur, ne sachant même pas qui prendra soin de ses enfants et de sa femme. Il progresse et ne recule pas. Donc c'est une guerre sainte et nous avons de l'inspiration divine que nous devons la gagner à tout prix. Et au peuple, de nous soutenir comme toujours, de rester résilient et résistant parce que le salut est proche. Nous ne devons pas céder parce que la porte est bien ouverte et nous voulons à tout prix, nous pouvons à tout prix arriver au bout du tunnel et vivre la paix longtemps recherchée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez raison de souligner que le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame. Paul Kagame, ce n'est pas le Rwanda. Et celui-ci, d'ailleurs, je veux dire, le dictateur Paul Kagame ne souhaite qu'une chose, c'est que la guerre persiste. Parce que de cette façon-là, il donne l'impression, et en tout cas, c'est ce qu'il dit aux Rwandais de l'intérieur, ou particulièrement aux Tutsis du Rwanda, que sans lui, eh bien, il subirait un autre génocide, ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Donc Kagame préfère que la guerre continue, se poursuive, pour que lui-même reste au pouvoir. Je vous remercie beaucoup. Or, il se trompe largement parce que s'il n'est pas rattrapé par le fait qu'il a commis, là, je le rattrape. Il est vieillissant, il est finissant. Tout à Il a fait. maintenant une bonne soixantaine d'années, 67, 68. Il finira par mourir. Et donc, pour lui, s'il était sage, il préparerait un bon avenir pour son peuple et non pas les laisser haïr par tout le monde dans la région. Je m'excuse d'augmenter quelque chose. J'avais vu une journaliste au Rwanda dire clairement, poser à un officiel rwandais, mais qui êtes-vous aussi? Et heureusement, c'était une Tutsi, je ne sais pas le nom. Vous allez en Tanzanie, vous bouleversez les choses là-bas. Vous allez au Burundi, vous bouleversez les choses là-bas. Même votre ami le plus fidèle qui vous a créé, Museveni, vous l'embêtez. Puis vous rentrez au Congo pour la énième fois. Vous êtes qui et vous voulez quoi? Ça, c'est ça la question. C'est ça le questionnement que le peuple rwandais devrait se poser. Que serons-nous effectivement après le passage de ces tyrans criminels sanguinaires? N'avons-nous pas besoin de rattraper le temps pendant qu'il est encore possible? Voilà un questionnement que je renvoie au peuple rwandais comme au peuple ougandais. Merci beaucoup. C'est la sagesse même. Je vous remercie beaucoup, Jules Moulumba. Et à très bientôt peut-être, dès que nous aurons encore des choses à communiquer, surtout pour lutter contre cette tendance à propager des rumeurs perfides qui peuvent provoquer des dégâts, aussi bien parmi la communauté rwandaise que parmi la population congolaise, et qui peuvent gêner, provoquer des drames même, si on y prend garde. Merci beaucoup. L'ensemble de toutes les matières premières, le vrai patriote, l'espoir de toute une nation. Appelle-moi le King Kisley, tu vas bien ici.
beto les efforts d'état iraya masisi likweli chanda komala na manda chimike itanda komala na ngre organique merci rwanda kututumi yambo leo muli lweza benyewe na mutalu maliza patrick muya yana pushe autorisé l'état na mutaizi mawenyewe ona sasa munanga pata zota yenyewe bazalenu ndokire yenyewe ulikuya katuva mia ona munanga rumia e les défenseurs Jean-Pierre Bemba
Merci beaucoup.